Allez, on est à bord du bateau Fish. Salut les gars. Fish Normandie. Il l'a pas dit. Salut. Oh là. Bah qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bah un peu de poisson. Faudra juste les augmenter un petit peu. Mais bon, pour une première heure de compète un samedi, je trouve que ça se déroule pas trop mal. Ça va, on a connu pire. Oui, on a connu des... On a connu pire il y a 15 jours. Attends. Centimètre commencé, c'est... tu prends centimètre d'au-dessus. Ouais, faut qu'il se détende notre père. Bon, il fait 72. Et demi. 45. 45. Ça, c'est où va pas les gars, on en discute, on 45 se bagarre. Je prends. 45. Allez, fous-moi ça la joie. C'est plus petit, je crois. Ça fait 47, ça. J'ai pris une gueule. C'est cadeau. Ah, ils sont tendus, là. Ah, ils sont tendus. T'es tendu, hein. Appuie sur la tête, c'est mieux encore. C'est encore mieux à faire. 50. Oh, ça c'est pas si vilain ça. Ça c'est celui que j'ai fait en surface, ça. C'est un peu mieux. Ouais, c'est... Oh, celui-là a été fait au biotope, je crois. En plus, il est détendu. Alors regarde, GG, je vais montrer un truc à la vidéo. Quand vous faites mesurer un poisson, plaquez la queue. Et il y en a toujours une qui est plus longue que l'autre, je le dis, parce que certaines mesures, on se fait avoir des fois. Et regarde, en plaquant un peu, t'es à 57, puisqu'on prend le centimètre entamé, on prend le centimètre au-dessus. Donc 57 pour ce poisson. Ouais. Celui-là, c'est un qu'on prendra peut-être en plus petit, j'espère. Non. Bon, parce qu'on a pas fait de photo. Bah attends, prends-le. Allez. Ah bon. Ah oui, j'avoue, t'imagines la connerie, il remet à l'eau. Ouais. Ah merde. Oh, il était tendu, quoi. Allez. Il va y aller tranquille. Allez, bonjour. On peut leur prendre la pilote, si tu veux. Il va y aller. Non, bah, comme ça, on le mesure une deuxième fois. C'est là. Le temps de la photo qu'il a posé. Avec 3, du coup. Non, on est à 5. T'as vu, je vais les faire grossir. Et bah ça refera 50. Ah non, 49. Il y en a encore un. Ça a l'air de... Parce qu'il a la bouche gonflée. 48. Ok. Alors, les petits gars, on va commencer gentiment. Comment ça a été fait ces poissons-là? Au leur surface principalement. J'ai attaqué leur surface au biotope et puis ça marchait pas trop mal. Et Thibaut en a fait un au leur soupe au Black Minnow 140 rose. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai ouvert le bal avec le Black Minnow et puis après c'est toi qui a fait au leur dur. Voilà. Et voilà, il l'avait annoncé quand il a présenté les lots. C'est un travail d'équipe. Et là encore ce matin, bah, ça a payé. Voilà. Il est où le biotope là? Il va falloir aller chercher, il est rangé. Ah bah il y croit déjà tout. Bah non mais la marée est montée, on va passer à autre chose maintenant. Non, c'est bien, on a le quota, on va essayer de faire des plus jolis. Un quota ça sur la première heure, ça rassure. Ouais, c'est ça, tu pêches plus sereinement toute la journée. Ça. Et moi là, sur une moyenne à presque 50, c'est pas négligeable. Hein. Oui, non, c'est correct, mais ça ne gagnera pas là-dessus, il faut des 60. Il va falloir un peu plus gros. Il faut 5,60. Alors, un par un, c'est quoi ta stratégie là? Donc là, on a fait le début du bassin vraiment dans les bordures, dans moins de 2 mètres d'eau. Thibaut, leur soupe, moi plutôt leur surface. Là, il y a un peu d'eau, le niveau est monté, du coup, on s'est décalé sur des postes, on est dans 4 mètres d'eau là. C'est un poste qu'on a trouvé au premier open, le deuxième jour. Qui nous a rapporté un peu de poisson. Moi je le connais bien parce que c'est un poste où je pêche le bouquet. En gros qui tient des crabes, qui tient des poissons de roche, qui tient des bouquets. Et du coup, a priori, il y a un peu de poissons qui rentrent dedans. Après on va voir s'ils sont là aujourd'hui. Et donc tu l'attaques avec? Là du coup je suis parti au Crazy Paddle Tail.
Thibaut, je pense qu'il doit être au Black Minnow pour changer. Et dommage gratuit toujours au Black Minnow. Ah, le roi de la gratouille toujours au Black Minnow. Pareil, ouais. Avec le coloris rose, c'est un coloris que j'aime beaucoup sur ce secteur-là. Donc je m'entête là-dessus pour l'instant. On verra si ça paye ou pas. Hein. Mais voilà, comme on le disait, hein, deux techniques différentes. Donc on va aller suivre pour voir ce que ça donne. Et après, si forcément, si Romain, je vois qu'il fait des poissons ou pas deltail, bah, je vais m'y atteler également, quoi, qu'on optimise les chances. Là, c'est bien, c'est on a deux techniques, et si on trouve quelque chose, bah, après, l'autre, il s'adapte, et puis voilà. Quoi. Je reste. Il croit en son rose, donc il reste avec son rose. Monsieur, il est têtu. Rose et marron, hein, c'est pas... Ouais, c'est pas un rose fluo. C'est pas le rose fluo, hein. Dégradé de rose en dessous... Bon, c'est une de tes préférences dans la game Black Minnow. Ouais, clairement. Ouais. Celui-là, après le kaki et puis le bleu. Enfin, grosso modo, t'as fait le tour. Hein. Dans vraiment le... Oh, tiens, tu peux en mets-en un autre, s'il te plaît. Ah, t'es chier. Bah, ça m'arrange comme ça, j'en filme qu'un. On l'entendra à la vidéo, celle-là, je sais sûr. Le slack. Ouais, c'est surtout. Avec ton 160. Non, je passe au 120, ça doit être des petits poissons parce que. Ouais, c'est petit. C'est vraiment tout petit. Oh, vas-y. Qu'est-ce que c'est, toi, tu vas pas me mettre ça dans la vidéo quand même? Oui. Oui. Je vais mettre que celui-là d'ailleurs, je vais même pas mettre les autres que vous avez là. Saleté. Va chercher ton arrière, grand-mère. Non, non. Mais de très loin. Ah la vache, déboîté les mains. Black Hill, Pearl Green, mais c'est pas énorme. C'est pas. Ça améliorera pas. Mais... C'est même pas maillé, je pense. C'est comment au niveau du filet? Je n'ai pas besoin de plus. Non, c'est bon. Il n'a strictement aucun intérêt. Il n'apportera rien de plus à leur quota. Ouais, surtout qu'il n'est pas maillé. Avec Inox du Bocage. Bonjour. Pour ceux qui les connaissent, bah voilà, vous connaissez le travail de qualité qu'ils peuvent faire pour tout ce qui est porte-canne. Pour eux, c'est même des consoles en inox, ce sont des selleries, des sièges, tout ce qui va considérer. Là, expliquez-le, hein, en gros, le but de votre entreprise. Bah, nous, actuellement, on fait beaucoup du sur-mesure, on équipe des bateaux de A à Z, consoles, les limpos, sièges sur jockey. Siège sur amortisseur aussi, siège arrière, T-top. Là on a préparé un bateau pour Zeppelin, pour la Roche, 7,50 m pour le salon de La Rochelle. Donc, ah ouais. Pareil sur mesure aussi, tout équipé. Et vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation sur n'importe quel bateau? Tout à fait. Ouais. Ça c'est la grosse avantage, c'est pour ça qu'on aime travailler avec vous, parce que vous répondez très vite et vous êtes capable de vous adapter. Regardez, par exemple, c'est eux qui travaillent surtout là, les petits sièges derrière. On voit la qualité, que ce soit sur des sièges. Vous pouvez arriver avec des projets particuliers. Ils peuvent travailler avec vous, en discuter et vous faire un vrai boulot. En tout cas, merci à vous et je vous dis merde. Thank you.
Denis. Qui travaille pour le groupe Sensas, qui représente la marque Ilex. Alors, comment t'as fait tes poissons? Eh ben, moi, j'ai pas fait grand-chose. Cette fois-ci, c'est mon collègue qui les a fait. Ce matin, on est arrivé, on a réussi à les trouver sur des leurres de surface. Donc, ils pêchaient en surface, moi, je pêchais à la lame. Donc, moi, j'ai pas eu de touche. Alex loupe plusieurs gros poissons aux leurres de surface, au Bonny 95. Et suite à ça, on s'est mis tous les deux aux leurres de surface. Je fais un ou deux petits poissons. Alex fait trois poissons de maillet, dont un poisson qui faisait 52 et un 47. Et du coup, on les a eu pendant une heure comme ça. Et depuis, on est un petit peu à chercher entre des pêches à gratter, des pêches un petit peu à la lame. Et on a un peu de mal à les trouver. Donc tout à l'heure, Alex nous a fait un joli poisson. Ouais. Un poisson de 60, donc qui nous a sauvé un peu la mise. Et bah, il nous reste deux poissons à faire. On a deux heures pour faire deux jolis poissons qui tiennent le quota. Donc voilà, la pêche est difficile, on gratte, on cherche. Là, je suis avec un petit Nitro Slim 110 Jelly Shad, avec une TP en 15 grammes, il me semble. Parce qu'en fait, le jus a bien du mal à s'établir. Et on va essayer d'avoir une ou deux touches, ou d'avoir ces deux touches qui vont nous permettre de boucler notre quota. Et de pas finir trop mal, quoi. Donc, des touches, là. Des touches. Des poissons. Mais non, ce matin, nous, on est un peu dans le rouge, donc bah, on cherche. Notre collègue qui est un peu plus loin, il a réussi à faire ses poissons, hein, donc qui fait partie de l'équipe Gunky. Donc on va voir. Ce soir, on discutera, on verra un petit peu, on mettra tout ça à plat. Et puis, bah, on en tirera des leçons, et puis on essaiera demain de faire mieux. De toute façon, la pêche, c'est jamais acquis, c'est comme ça. Hein. Et c'est jamais fini. Sauf à 17h, pour le coup. À, du coup. À 17h, c'est la merde. À 17h, on va dire. Et arrête de mettre la main dessus. Règle ton frein, arrête de mettre la main dessus. Voilà. Ouais, non, mais j'étais en train de le régler. Voilà. À la remontée. J'allais te le dire. C'est beau. Oh, il est mal piqué. Hein. Ouais. Et ça pour la tête de l'eau, Eh, mec, moi ça. Et voilà, il fallait que j'arrive, je la porte bonheur. Deuxième journée à bord du bateau Ilex. Et là, hop, on peut le constater. On va pas vous montrer le tout petit, mais non. Ah, il est là, gros zouzou. Un joli poisson qui doit avoisiner les 56-57. Alors, messieurs, qui a fait ce poisson? Alors, comment t'as procédé? Avec quoi tu l'as fait? Nitro Shad. Et voilà. Nitro Shad, TP 30 grammes, enfin 28 grammes. Et puis bah à tenir en laisse. Et puis bah à peine descendu, première ça a lâché. Bon. Il attendait la bouche ouverte. Ah, direct, dans 4 mètres de flotte. Dans 4 mètres de flotte. 4 mètres de flotte. C'est que j'aime bien faire ça. Et t'as pris quoi? Tu prends quoi comme tienne pour le faire? Là j'étais sur une Black Ops. D'accord, c'est quoi? Donc, le 5-21. Combien? 5-21. C'est un peu léger, mais au moins tu sens tout. Surtout pour pêcher là sur le bord quand il y a les cailloux, au moins ça. Tu sens vraiment le moindre accroc quoi qui est au fond. Et puis bah ça me permet de moins m'accrocher qu'avec la plus grosse canne. Bah en tout cas, eh bien joué. Parce qu'ils sont pas loin du quota ces messieurs, ça fera un double quota. Et l'ancien, comment il a pêché aujourd'hui? Alors moi j'ai utilisé au départ une canne qui était la Jerking Driver. Donc une canne en MMH pour pouvoir pêcher en surface. On a fait quelques poissons en surface, mais il n'y avait pas de maillet. On a fait ensuite quelques poissons à la lame, à la Runner Blade en 90.
Et ensuite, on est passé au nitrochad, où on a fait la plupart de nos poissons d'aujourd'hui. Donc, on est à 4 poissons maillés. Et il nous en manque un. Donc, bah, il nous reste environ 2 heures pour pouvoir faire un poisson. En sachant qu'on est quand même dans le bon moment de marée. On arrive dans un moment qui est plutôt favorable. Donc, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Poisson, dès que tu tiens, leur mets pas loin. Alors, je vais faire une ou deux photos. Allez, centimètre attaqué, centimètre validé, 65. Ah, 60, c'est moi qui fais de la. Allez, paf! Il y a des concurrents qui ont des sourires, il y a des concurrents qui ont un peu moins le sourire. C'est la pêche. Là, c'est un soir chelou, là. Ça va. Ça, c'est un quota 55 pour une... Quand t'as une gueule comme ça, c'est un quota 55. T'as dit... Alors, mon tout petit, t'as pêché ou pas? Ouais, c'est moi qui fais les deux barres noyées. Ouah, comment il roule! Bah, c'est bien, ça. Tu les as fait avec quoi? Avec un Giant X-Layer en Wakazaki. Bah ouais, grand, bien joué. Voilà un père qui peut être fier de son fils. Il a mérité l'apéro ce soir. Tu vas le prendre pour lui? T'as une drôle de tête, toi. Ça va. Ah, il est content, il a fait un quota. Ah, c'est bon. On a fini sur un 68, elle a fait un 68 avant. Ah, c'est toi qui le fais? Ouais. Waouh, bouge pas. Alors, vas-y, c'est toi qui as fait un 68? Ouais. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Bam. Bon, bah alors. Bah super, tu l'as fait avec quoi? Au Black Minnow, ouais. Il est là, bah tu regardes, il est même... Et dans l'émotion, le Black Minnow, il est même resté carrément bralé de... On a été direct le mesurer, on a même pas rangé la canne. Top ça, bien joué. Allez, ça c'est cool ça. J'ai pris en photo, si tu veux, je te l'enverrai. Ouais, vas-y, avec plaisir. Ça va, monsieur Truffert? Ça va? Ça va, mais t'as une petite tête, hein? C'est moyen, hein? Ah, c'est vrai. Eh, quand je vois ces têtes-là, je sais ce qui s'est passé, hein? Voilà, mais c'est moyen. Eh, t'as le quota, il en reste demain. Oula! Que j'ai fait pour les cannes. Non, je pas. Eh, coucou toi! Voilà mes garçons. Le haut-parleur, il avait pas fonctionné. Salut Romain. Ça va Romain? Ça va, ça va. Hey. Voilà des vrais commissaires. Voilà, le Blanc pilote kilos. De drone, il est là les gars. Si vous avez des belles images de drone, c'est grâce à lui. Ah là tu vois, il y a un équipage qui est pas trop, tu vois, qui est assez content, ça se voit. Par contre, quand là-bas, il a l'air moins content, lui, là-bas, là, tu vois. Bon, allez, un petit mot de notre président pour la fin. Très bonne journée, beaucoup de poissons. Super, encore une bonne journée demain, et ça sera bien. Ah. Allez les gars, on se retrouve demain, là, on va prendre un petit coin, filmer tout ça gentiment, hein. Même s'il y en a ici, ils font la gueule parce que leur pêche a été pas terrible, ils vont prendre un coup quand même. Hein. C'est le gamin.
Pareil, je crois que c'est d'une fois. On va se régaler, les amis. Là, j'ai un rendez-vous. Je crois que j'ai pris un rendez-vous pour que je fasse ça. Ça ne m'a jamais. Alors, c'est bien passé? Ouais. Eh bien, ma couille, c'est bien, tu l'as fait, c'est bien, je suis content pour nous. On a soif, hein? Oh putain, les mecs de sous sans ça, ça rigole pas. Fait chaud chez vous. Merci. Bye. On a 65. 65. T'as fait une photo, Bruno, ou tu... Allez, tiens, regarde. Je sais pas. Monsieur Leland ? Ouais, c'est... Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Parce que moi, j'ai les mains... C'est pas des mains que j'ai. Si c'est des pieds, j'arrive à rien tenir. Allez. C'est bon ? C'est bon. Allez, go, on peut faire. Ouais, 65. 65 le premier, Adrien. Détends-toi, Titi, détends-toi. Ok, j'y mets. Là, j'ai 59, là. Ouais. Bien gonflé, quoi. 59. Non, 59. 59. 59. S'il te plaît. J'avais 64. Allez, Titi. Peut-être le flaquer le prochain histoire qu'il reparte bien. Là on a un 57. 57. 57. 57. 57. Ça c'est un poisson de compète. 61. Celui-là il est pas gros, ça c'est un poisson de compète. Ça c'est un vrai. Un vrai. Il a fait un niveau 61. Tu veux te mettre à ma place? Non, en fait je faisais les photos. Ah, regarde, on va un autre 61. Ça va, vous avez trouvé 2-3 trucs quoi. 62. 54. Ils sont bien noirs, vous avez été gratté dans les cailloux. Non, il y en avait en sable. C'est vrai. Voilà. 56. Le problème, c'est que dans l'aquarium, là, bon, laisse tomber. Il y a 2-3 poissons dans l'aquarium. Ouais. Il n'améliorera pas celui-là. 48. On a déjà 5 poissons là.
Je sais pas. Non. Ça, oh, c'est le cinquième. Ouais. On est avec l'équipe Ultimate Fishing, que comme vous pouvez voir, on fait un petit peu de poisson. L'équipe représentée par Kevin Leland et Bruno Peb. Donc, on va commencer gentiment. Comment avez-vous fait ces poissons ce matin? Sans exception, au Dark Sleeper. Voilà. On a varié les coloris. On a démarré, moi Gobi et Kevin Véron. Les deux fonctionnent aussi bien. Par contre, après la zone qu'on a pêché, moi j'ai pêché Gobi et Naturel et Real Gobi. Kevin a pêché Corlazo et le Corlazo était largement au-dessus. Toujours à gratter, à faire planer et aller chez le fond. Et voilà. Bon, je vois que tu as un nouveau jouet dans les mains. Est-ce que tu la présentes pour la nouvelle arrivée? Alors, c'est une canne qui sera disponible l'année prochaine. Donc, c'est Nakuru. Donc, ça va être le nom d'une nouvelle gamme de cannes chez Tenryu. Comme il y avait les injections, là, ce sera les Nakuru. Ce sont des cannes beaucoup plus rapides. Donc, celle-ci fait 8 pieds 6, donc quasiment 2,60 m. C'est une 15,55 et on ne la crée pas que pour ça, mais on l'a créé quand même beaucoup pour plus chaud Dark Sleeper. Mmh. Ça va vraiment très très bien, il y a la bonne longueur, c'est rapide, il y a de la caisse, mais au-delà de ça, même quand il y a un joli poisson, l'avantage de cette canne, c'est qu'elle plie sur toute sa longueur. Donc elle plie pas qu'au premier tiers, donc c'est vraiment intéressant, ça permet de combattre les gros poissons tout en prenant plaisir. Et elle a de la niaque, la petite. Eh ben, on va voir ça. On va essayer de voir ça. Donc logiquement, quand tu montes sur le bateau, on fait plus de poissons. Vous êtes vraiment des ordures. Normalement, ça se passe comme ça. Tiens, tu sais quoi, regarde bien. Je vais m'asseoir. Je dis plus rien. Vous voyez comment on est reçu, les gars. Voilà. On a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite, c'est vrai. Notre leurre qu'on dérive, ok. Ouais, c'est là où t'es le meilleur. Okay. C'est là où t'es le meilleur, c'est quand tu fais rien. Non, c'est en faisant autre chose. Parce que j'ai eu deux poissons ce matin. Et toi Kevin, tu prends quoi là comme canne? Ben, la même chose. La 86M. Petite Akuru là pour le Dark Sleeper. Et c'est vrai qu'elle a une superbe action au vent, très parabolique. Encore un petit poisson. On n'arrive pas à les prendre. Mais toujours au Corlazo, comme disait Bruno juste avant. Hop. Alors, Corlazo, imitation de petite vieille. Je pense qu'après il va faire mesure. Il est dessus. 55, 36. Ah ouais, peut-être. De toute façon, t'as plus l'œil. Tu l'as vu en dehors de l'eau. Ouais, non, on n'a pas de gros poissons. Donc voilà, ça n'a pas mis longtemps, je viens d'arriver il y a 5 minutes, donc les mauvaises langues qui disent qu'on fait plus de poissons quand j'arrive, ça, c'est vendu. Monsieur Pep, taisez-vous. C'est le bruit de la machine. Ah, c'est parce qu'on a laissé la pompe pour... Parce que là, il y en a quand même beaucoup dedans. Ah, ça tombe bien, on va les mesurer tout ça, on va les regarder. 15 et 25 poissons qu'on vit, quoi. Effectivement, oui. Effectivement, oui. Et voilà, je viens de couper la vidéo parce qu'il me dit on redémarre, Vlan. C'est pas très grand plus. Wow. Faire 50, ça. Si t'aimes bien jouer, tu sais. La dernière fois qu'il m'a fait ça à l'étal, c'était en 75, donc je me méfie tout, moi, avec lui. Il est très joueur.
Après, je connais pas encore l'action de la canne, mais ça va pas l'air si bien que ça. 5. 6. 7. 56. Allez, il est fait les 60, je le sens. Ah, si c'est ça, t'as gagné l'apéro, tu sais que c'est plus le chat noir. Je te le dis. Oh, alors des salars, ça c'est un joli coup d'épuisette par contre. Ah ouais, non, par coup contre, là, ah ouais, non, ça par contre, ça c'était propre. Vous croyez quoi? Ah ouais, on n'est pas QTR et toi dans une autre ville. Oh là, il y a le coup de foie, je dis. Oh, c'est un beau poisson. Oh, ils sont bien en forme, bien gros. Ouais, mais ça, c'est, et voilà. C'est pas très bon. Un petit col à l'azo, bien engamé. C'est pas très bon tout ça. Pour un poisson bien gras. Par contre, vu que tu voulais pas filmer, c'est, on n'a pas le ferrage quoi. Bah non, j'ai pas le ferrage, mon gars. Bah tu, attends, tu attends, on peut le mettre en l'air. Pas trop parce que je sais ce que tu veux. Voilà, super poisson. Hop, avec ses camarades, avant la mesure. Avec tes potes. Qu'est-ce que je fais? Je peux couper la vidéo là ou tu... Oui, il y a pas de gore là-bas. Là, comme on a pu le voir là, c'est vrai que le gros avantage du Dark Seaper, c'est que c'est quand même le leurre qui est capable de faire toutes les tailles de poissons. Sélectionner des gros poissons, des petits poissons. Pêcher au fond, c'est vraiment... je veux voir les sentir. Presque linéaire. Ça améliore, ça améliore. Hop, et la colorie. Il annonce à 58. Il annonce à 58. Et le coloris. Le coloris croc. Je le dis souvent et je pense qu'il y a des gens qui pensent que je blague. Alors, je l'utilise aussi bien. J'utilise aussi bien en eau douce qu'en mer. Il est vraiment formidable. Ça fait vraiment réagir les poissons. Et comment t'as dit, elle s'appelle la coloris? Coloris croc. La coloris croc. Comme écrevisse. Là, on a un poisson qui est pas loin de ses 60. Ouais, 58. Alors, il va falloir vraiment penser au commissaire. Ils ont de l'eau, ils nagent. Et celle-là, je l'ai en... C'est long comme coup de tête, ça. Le mec connaît la taille de ses poissons juste à la vie. Je suis pas sûr que je suis 55, mais je suis pas très sûr. Allez, 60. J'ai gagné 5 cm dans la montée. Bon, bah écoute, un bon choix stratégique pour monsieur Peb du choix de la couleur. Derrière, il se prend aussi. Oh, il est gras, c'est nul. Hop là. Allez, mon pépère. Un petit passage. Monsieur, c'est pas trop fort, il y a du monde. Excusez-moi. 92. Voilà, si tu veux crier, mais c'est ça. Vous mettez pas de la coupe, les gars.
Vous mettez pas à couple les gars. Il vient de le prendre mais il attend 62. Attends, passe sur la règle du truc. Passe sur la règle du truc. Non, c'est là. Vas-y, derrière celle-là. Je fais celle-là et j'arrive, les gars. Ouais, non, mais ça va aller, mais désolé, hein, 51. Il est au vidé là? Non, non, ils l'ont attaché avec. Non, non, mais tu sais, sinon tu sais, 53. Tu sais, tu sais, dans l'eau, il est bien. Ouais. Tout doux, Mimosa. Détends-toi un peu, voilà, ça va le faire. Ça va bien se passer. Un peu tendu là quand même. Hein. Il est à 48,7. 49. On ne contiendra pas rigueur. Allez, deuxième journée à bord du bateau Ultimate Fishing. Et apparemment, on repart sur la même stratégie, mais avec un paramètre différent. Bon, on va d'abord... Ça, c'est moche. Un petit paramètre différent. Le paramètre différent, c'est quoi, Ono? Bah, l'eau s'est teintée. On a changé de coloris. Déjà, on a changé de stratégie. Hier, on a été monté directement dans plus d'eau. Ce matin, on a voulu faire un bord de plage pendant trois quarts d'heure. Il ne s'est rien passé. Donc, on a été assuré un quota dans plus d'eau. Et puis là, on revient un peu dans moins d'eau. Et on essaye de faire des poissons. On a des poissons, hein. Pas le problème. On en a un vivier, mais... Ah, oui, ça, c'est... Après, il y a des poissons dans le vivier, ça, je le confirme. Il y a des poissons, mais... Et ces messieurs ne sont pas satisfaits, les poissons de 55 ne leur conviennent pas. S'ils étaient tous à 55, ça irait, mais ce n'est pas le cas. Mais oui, effectivement, tu disais, l'eau s'est chargée par rapport à hier. Ouais, l'eau s'est chargée, on est un peu plus laiteuse. Et une pêche avec des coloris un peu plus transparents qu'hier. Voilà, c'est la magie du Havre, c'est tous les contrastes. Hier, une eau claire, tu l'es fait sur du rouge pétant. Et voilà, et aujourd'hui... beaucoup plus laiteux, tu les fais sur des coloris beaucoup plus clairs. Après, c'est ce que l'on voit là, hein. Ça se trouve au fond, elle est pas foncée du tout. Ça, c'est un truc qu'on dit très souvent, hein. On voit ce qui se passe en surface, on voit pas ce qui se passe au fond. Pas très beau, tu... Une merde de 45. Ça, je vais te le faire. Hein, le petit coup de fourche, hein, ouais, ça vous plaît le petit coup de fourche? Non, c'est vraiment tout qui me plaît le coup de fourche. Ouais. Je l'ai fait pour la caméra. J'ai tourné la caméra pour Kevin, j'ai dit, Kevin, j'avais un petit pressentiment. C'est un meilleur ça. Ça, c'est un beau poisson. Ah, regarde un petit changement de stratégie. Super poisson.
Donc le Bark Slipper, Colorial, Gobi, une nouvelle collègue qui est sortie cette année, il me semble, je crois que c'est ça, c'est cette année qu'elle est sortie, les gars. Et très efficace, très très efficace. Like. Bah même celui-là. T'es un champion, champion. Champion. Ça vibre comme ça, c'est une merguez. C'est une merguez. Ça vibre en merguez. Une petite merguez. Bien noir. Ça passe en dessous. Et voilà, même menu qu'hier, mais on a changé le goût. Ouais, j'ai trouvé ça. Monsieur Peb, satisfait quand même ? Ah, pas vraiment, mais bon. on fait ce qu'on a. Bon, avant de vous quitter, dernière petite explication. Comment t'as procédé pour faire ta petite partie de pêche pendant le week-end ? L'état global de ton week-end ? À 90%, 95% pêche au Dark Slipper. On a beaucoup varié les coloris, beaucoup varié les angles, les animations et comme tu as pu le voir aujourd'hui, les ferrages. Il fallait vraiment retarder aujourd'hui, redonner la main. En fait, on a l'impression que c'était des petites touches de petits poissons. En fait, je pense qu'ils prennent le bout de la queue, tu vois. Ils le goûtent et quand tu rends un peu la main, ils le gobaient, quoi. Donc voilà. En tout cas, bravo à vous, c'était un vrai plaisir à filmer. Merci. Voilà, on le montre. Clac, ça c'était la colorie qu'il fallait avoir aujourd'hui, j'ai un peu mis en tête. Shirayo. Shirayo. Et ça, la colorie qu'il fallait avoir hier. Enfin, l'une des colories, parce qu'il y en avait deux. Ça c'est Cro. Le colorie Cro et le colorie, je l'ai plus. Corlazo. La colorie Corlazo. C'est l'imitation de l'imitation de petite vieille. Voilà, l'Open 2023 avec un soleil de Normandie. C'est pour les vrais, pour les braves. Ça pète de partout. Ça pète de partout, mais pas dans l'eau. Allez, c'est quart d'orage, c'est rien, ça a passé. Wouh. C'est humide, chef. À la base, mon manteau est plus clair. Ça a quoi faire déclencher les gilets. On est avec l'équipe qui représente Gunky avec Loïc Lacorne et Léo. Salut. Et toi t'es pas Gunky je crois. Non, Digital. Vous oubliez. Bon Loïc. Ouais. Tu sais comment t'as fait tes poissons ce matin? Comment on a fait? Bon, on a fait un peu à gratter beaucoup hein. Mmh. On a gratté, on a gratté avec du G-Bump, on a gratté avec du V3 et ça l'a fait, on a fait le quota. Ouais. On a fait le quota à midi. Ouais, midi et demi par là. Voilà, je suis arrivé un peu tard. Voilà. Et maintenant on gratte, mais on gratte dans le vide. Ah. Attends, c'est pas fini, il reste un petit peu de temps, hein. On peut à tout moment faire un poisson. On y croit, hein. On a tout dit, on va rester pour et puis on va essayer de faire en sorte que... Il reste une demi-heure quoi. Ça passe une demi-heure man, ça passe. Ça compte ? Non. Ouais. Allez, comme tu m'as dit. Je dis rarement quand même. Allez regarde, j'en ai mis moi. Je l'ai peut-être sous-estimé ce truc. Allez, 50 plus. Allez, on va voir le quota. Équipe 17, on est des gros pas. Ok, par l'équipe 17. Pour 50 plus, nope. On se fait impeccable. Allez les gars, voilà. Un beau poisson pour l'équipe Gunky.
Tête calme. Tout calme. Et paf, un joli petit poisson qui fait bien plaisir. Je pense pas qu'il améliore. Et le dans le col, mais toujours regarder dans le vivier, tu verras après. Pas faux. Clac. Allez hop. Alors, attends. Je le vois. Paf. Je vous montre le. Comment. Alors Loïc, vas-y, parce que moi je connais pas les noms. Explique-moi. C'était quoi? C'est quoi comme leurre? C'est quoi le nom du leurre? V3B. V3B. V3 Vibe. Ah. Voilà. Zoé, ouais. elle l'a dit pour la présentation. Elle l'a dit pendant la présentation de la vidéo Genki. C'est ça. Elle a dit, ce leurre en linéaire devant la plage, il fait du poisson. Et ben vous venez de le voir. Ce leurre en linéaire. Le petit leurre en linéaire. Et voilà. Bien joué. Une vraie position de pêcheur. Toi, c'est clair. Et le mec, il veut pas choper de coup de soleil, hein. Double casquette. Bon, demain, on va faire un peu de vidéo avec Zozo. Ah, bah oui. Ah. On récupère sa fifi, là. On a un rayon de chantier ce soir. Là, on récupère sa fifi demain, là. Là, ça va être autre chose, là. Ah, là. Me casser la tête toute la journée, ouais. Ah, là, le P va m'en rigoler, là, parce que là, va falloir pêcher, là, mon gars. T'as pas intérêt à rester assis parce qu'elle va te lever. Hein. Là, c'est net. Il va falloir faire du poisson. Là. Sur la riquette, ça. Il est mauvais. Bah, là, bien. Ok pour l'équipe 23. 49. Dans le bateau parce qu'il y a à travailler. On peut pas être partout à la fois. Voilà, il en faut des gens qui travaillent, c'est normal. Mais ce matin, elle est parmi nous, bien déterminée à défendre la jante féminine. La défendre, je vais faire ce que je peux. Hein. Oui, j'ai confiance. Avec quoi tu pêches? Avec un mégalon. Là, on est en coloris bleu. Je sais pas vraiment si c'est une bonne stratégie, mais comme ça, on est complémentaires. On fait deux choses différentes. Moi, ça permet de voir. D'accord, tu utilises quoi comme canne là? Là, c'est une 270 X-Shot. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a écrit derrière, si c'est une medium heavy ou pas. Je pense que c'est une heavy. Donc, comment l'action est dure. Mais ça permet d'envoyer assez loin parce que tout à l'heure j'étais sur une 220. C'était short. Hein. Voilà, petite stratégie du matin, un petit coup de leur surface. Ça peut être une stratégie qui peut être risquée mais qui peut payer fortement. Bah, pour l'instant, c'est juste risqué. Hein. Il est que 9h20, tu sais qu'il est que 9h20. Hein. Oui, mais on pourrait avoir fait quota. Non, 8h20. On pourrait avoir fait quota. On pourrait avoir fait le quota. Oh merci. Eh oui, parce que ce sont des sponsoring Genki, mais Genki fait partie du groupe Sansas. Sansas qui regroupe Ilex également. Donc il a le droit de se permettre une petite lame vibrante. Et cette petite lame vibrante ce matin, c'est la stratégie payant. Ça a émaillé, c'est émaillé. Oui, c'est émaillé. Parce que le premier poisson. Respire, ça va bien passer pour ça. Evin, yes. Super. Et ça, vous savez, là je filme. Moi j'ai la chance d'avoir une fille aussi. Et de voir ça, j'espère pouvoir vivre la même chose. Ça c'est cool. Et voilà, premier poisson, il est. Faut que tu gères, on est la deuxième journée de l'open, il est 8h30. Et voilà, en 30 minutes, le choix stratégique de la lame vibrante permet. Heureusement qu'il est là pour pêcher. Un petit rose. Petit rose. Petite lame rose, valeur sûre. Dans l'eau un peu teintée, ça marche à tous les coups presque. Bah pour preuve, c'est que là ça a marché.
Oh là là. À la piscine. Oh là là. Et c'est un leurre que tu utilises régulièrement, à quelles conditions, à quel moment? Beaucoup. J'aime beaucoup pêcher à la lame. Quelles conditions? Bah, pêche de bordure ou quand pour les décider quand c'est dur aussi. C'est un leurre qui. Tu le considérais comme ton sauve-bredouille. C'est ça. Et c'est ça les fait réagir, je pense. Ça doit les énerver et au bout d'un moment, ils viennent le chercher. Et bah, pour preuve, on l'a vu, là c'est difficile, on est sur une zone où c'est très peu actif, il y a peu de poissons et pour preuve, elle a fait son poisson. C'est bien. Petite lame vibrante de chez Ilex, hop, que je vous montre ça, elle est au bout de la canne. Et voilà. Donc on voulait remercier l'ensemble des participants. Pas de soucis. Pour votre sérieux, on n'a eu aucun poisson de mort. Donc c'est très bien. Les respects des consignes pour le départ. Le départ, c'était formidable. Ça me va très bien. Aussi la sortie des bateaux. C'était impeccable. On n'a pas bidouillé, les bateaux sont bien rangés, c'est propre, tout le monde peut repartir. Donc c'était vraiment quelque chose de bien. On va continuer là-dessus, parce que c'est très bien. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des bénévoles. Alors, il y en a au bar, il y en a sur les bateaux commissaires. Ta famille, quoi, gros. Non, mais c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir quelque chose de bien et essayer de vous servir correctement pour l'événement. Je voudrais remercier aussi Julien Lebas, c'est le maître de port, qui nous a fait la place au niveau des pontons, au niveau du terre-plein nord, parce que c'est quand même pas mal de boulot. Oui, il y a des grosses logistiques. Ouais. Voilà. Je voudrais remercier les partenaires financiers, parce qu'il en faut, pour qu'on puisse vivre et puis organiser l'événement. Comme je le dis sur vidéo, hein, c'est sur les partenaires que forcément, ils n'ont pas de visibilité. Mais ça fait partie des partenaires qui sont les plus importants parce que malheureusement, un événement comme ça coûte de l'argent. Donc il y a la société NJE, la société GCMI, la société LH Yacht Service, qui, si vous avez des caranages à faire, travaille très bien. La société Viard pour les véhicules, la société Vigier Assurance, parce qu'il faut être assuré bien sûr. Hein. La société Syria. La société CR Normandie, la société Tocqueville Matériel et Visuacom qui nous fait tout ce qui est visuel. Vous pouvez les applaudir. Je peux vous lâcher, la compète est finie. Alors maintenant, on va faire tous les partenaires. Les partenaires, on va dire, pêche, c'est pêche qui vous ont offert tous ces beaux lots que vous avez eu dans le kit, que ce soit pour la dotation, vous savez pas que les lots que vous allez recevoir là. Parce qu'on a vraiment été gâtés, hein. Et sans eux, on n'a pas tout ça, et l'événement, il n'a pas le même piquant. Voilà. Alors, on a la société Ultimate Fishing, on peut les applaudir. Hein. La société Ilex. Le pêcheur normand et le tarif. Si vous avez des besoins sur voleur, tout ça, très bien équipé. La société Garmin. La société Acacia Diffusion, si vous avez besoin. La société Gunky. L'atelier du plaisancier qui est à Fécamp. La société Inox du Bocage. Vous pouvez voir, c'est vraiment du très bon matériel. Je vous en ai bien exposé là.
la société Dell Distribution pour vos petits sacs à dos. La société Victor pour vos sacs étanches. La société Navicom. Les casquettes. Et la société MMG. Pour le total de poissons hier, en poissons maillés, parce que j'en ai beaucoup plus, hein, nous avons fait 247 poissons maillés. Aujourd'hui, on a fait 221 poissons maillés. Sur un total de 468 poissons pour le week-end. Pour 50 équipages. Pour 50 équipages, donc c'est énorme. En fait. Donc on va passer au classement maintenant. Allez. Moi je suis pour le week-end, je vais pas. Alors, comme vous savez, c'est les 15 premiers qui sont récompensés. Donc à la 15e place, nous avons MMG Mercury. Avec un total de 497 points. Bravo. Bravo les gars. Bravo. Hop, donc à l'intérieur de l'eau, à l'intérieur de l'eau, donc il y a un peu des goodies de chez Garmin, mais le petit lot sympa, ce sont deux belles pinces offertes par la société Yunky. Ok, merci. Et voilà, après il y a des casquettes, des petites choses comme ça, pas mal de petits goodies. Avec un merci. Merci. Maintenant, à la 14e place, nous avons la société Carefield. Avec un total de 508 points. Merci. Donc pareil, vous avez un petit peu la même chose, tu vois, on a rajouté les petites serviettes de dotation de départ. Et encore les deux pinces offertes par la société Genki. Voilà, des petites lunettes de Rostyle. Merci pour l'organisation. Bravo à vous les gars. Merci à vous les gars. Troisième position, la team Zion. Avec un total de 515 points. Ah bah comme quoi, hein. Je suis tout seul, hein, il est reparti à Paris. Il est reparti. Donc, merci. Deux bacans offerts par la société Genki, merci. Ainsi que des pinces, comme on vous a pu le montrer, encore des goodies un peu toutes marques. Il y a des leurres de chez Gillette, il y a des serviettes de chez Ilex, tous nos partenaires, il y a plein de goodies de toutes les marques à l'intérieur. Merci beaucoup. Je ne vais pas le répéter à chaque fois les gars. C'est un peu facile à chaque fois. Je vous montre bien. 12e position, pêcheur de l'Estran. Avec un total de 518 points. Levesque Valentin et... Oh, je sais pas lire la Guillaume, je sais pas lire le deuxième. Moi, je suis désolé, mais là... Ah non, y a pas de mal. Merci. Donc là, pareil. Merci. Encore un lot, faire passer au Société Yunky. Un bacon un peu plus... Voilà, une belle qualité. Merci, c'est bien. Bravo, les gars. Merci. 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 Donc pareil, l'intérieur, les pinces. À la 11e position, Bricoleur. Avec un total de 524 points. Merci, messieurs. Donc pareil, un bacon offert par la société Yunky. À l'intérieur, bah, toujours pareil, hein, les pinces, les petits goodies, des petits serviettes, des petits bofs, des autocollants. Merci beaucoup. La société Ultimate pour décorer votre bateau. Très bien. Allez, à la 10e position, Mekabar. Avec un total de 524 points. Merci. C'est pure phishing. C'est vide. Machai. Donc, une glacière, on a oublié de les citer dans les noms. Une autre partenaire. Un autre partenaire, la société Pure Phishing. Donc là, qui vous offre une belle glacière. À l'intérieur, il y a encore des bacans offerts par la société Genki et un gilet de sauvetage offert par Accastillage Diffusion. Ça vous fait chier, je bafouille plus quand je vais le dire. Bon, allez, petit gars. Merci. Après, tu noteras, tu changeras. À la 9e position, Nord Cotentin Balch Fishing.
avec un total de 526 points. C'est ça, les gars. Donc toujours pareil, une glacière offerte par la... Il y avait une glacière. Il casse tout. Une glacière offerte par la société Pure Fishing. Et à l'intérieur, alors là, il faut le montrer quand même, parce que ça, c'est beau. Un beau porte-canne inox du bocage. Donc offert par la société Inox du Bocage. On remercie. On remercie parce qu'à chaque fois, ils font les phares, ils nous offrent toujours des super dotations. Merci. C'est ça. Vite position. Fiche Normandie. Avec un total de 532 points. Je sens un peu de... Tu vois, il y a les gens, ils se moquent de toi, tu vois, ils disent ouais, mais tiens, t'as bien niqué, Timo. Bien joué, mon maison. Ça va être bien, ça, pour mettre la bouteille de Ricard. Ah oui, elle est bien. Un gros modèle de glacière. Ah, le gros modèle de glacière, donc toujours. Donc, on se retient par la société Pure Fishing. À l'intérieur, un porte-canne double, toujours offert par la société Neuf du Bocage. Et à l'intérieur, encore deux bacans et des pinces de la société Genki. Ah, bah merci beaucoup. Merci Genki, hein. Merci. Merci Zoé, hein, heureusement que t'es là. Hein. Merci. Celui-là, je vais l'annoncer, je vais vous expliquer pourquoi. On a préparé des lots hier soir. Et je leur ai dit qu'il finirait 7ème. Et pour preuve, j'aurais dit, pour te montrer que tu seras 7ème, je vais te faire un petit cœur dessus. Donc on va les appeler. Pote au bar, de Maxime Douit et Lucas Nathan, avec un total de 536 points. C'est bon, alors. C'est bon. Donc là, alors il y a deux cannes Yoda. Alors deux cannes Yoda offertes par la société Powerline. Et en partie, Philippe, ouais. De petits cadeaux de dernière minute. Un porte-canne inox du bocage double. Et en à l'intérieur, il y a des... Non, non, c'est dans l'eau d'avant. Merci. Il y a une carte offerte par la société de Brice. Atelier du plaisancier. Atelier du plaisancier, qui est basé à Fécamp, qui fait du très bon travail. Il y a quelqu'un qui est présent ici. Je pense qu'il pourra en témoigner, il a répondu très vite, tu l'as réparé son bateau, aujourd'hui il était sur zone, il n'a pas aucun problème. Donc on va remercier et il t'offre un bon de 150 euros pour une révision moteur. Pour le rattrapage de dernière minute. Donc à la sixième position, Black Marlin. Et un total de 541 points. Eh hey, bravo la demoiselle, hein, poisson de 68 hier. Elle était première. Donc à l'intérieur, une VHF offerte par un casque de fusion. Un porte-canne inox du bocage et surtout, je suis désolé de faire comme ça. Deux moulinets Nassi 3000 offerts par Philippe au pêcheur normand. De la cinquième position, c'est Fécamp Nautique. Avec un total de 549 points. Donc là, t'as un combo canne moulinée offert par la société Carfil. Un porte-canne inox du bocage, double. Et aussi une carte de 150 euros à valoir chez Brice pour une révision moteur. Voilà, l'atelier du plaisancier. L'atelier du plaisancier. Ouais, j'ai tendance à dire Brice, c'est vrai, mais non, c'est l'atelier du plaisancier. Je vais. Il est par là, il veut pas Brice. Oh, tu peux te chasser. À la quatrième position. Lucky Craft, France. Avec un total de 568 points. Thank you.
ouais, les gars. Félicitations. Merci. Félicitations. L'année prochaine, tu vas avoir une dotation pour vous. Non, non. Ah oui. Donc, à l'intérieur, deux cannes Blue Edge offertes par Philippe au pêcheur normand. Voilà. Un porte-canne double inox du bocage. Un tour de coup inox du coup. Et à l'intérieur, une carte d'avionix offerte par la société Garmin. Sébastien Blondel, je crois, mais je suis pas sûr. Ah, bravo. Là, on attaque le podium. T'entends pas. Troisième position. Barre illimitée. Avec un total de 571 points. Donc, c'est pas grave. Denis, tu peux venir s'il te plaît. Donc, d'abord, le trophée, parce que ça se mérite. Un chèque de 100 euros à valoir chez Navicom. Une carte Garmin. Là, à l'intérieur, bon, c'est des bonus. Et je laisse. Excuse-moi. Et à l'intérieur, t'as pareil, une carte de l'atelier du plaisancier pour une révision, valable pour une révision moteur, mais d'une valeur de 200 euros. Et je laisse le responsable d'Ilex t'offrir ses cadeaux. Bah, je vous remercie d'avoir participé déjà et merci à LH Fishing pour cette belle épreuve. Et je vous remets deux cannes nitro F225 Thunderscale qui sont super bien pour pêcher dans le secteur. Et j'espère que vous prendrez plein de plaisir à pêcher avec. Maintenant, la deuxième position. Alors, c'est Papo Plasie. Papa Plasie, bravo. Bravo. Avec un total de points de 574. Donc, toujours pareil, une carte. On peut vraiment l'applaudir, hein, l'atelier du plaisancier, elle a fait vraiment un gros effort, c'est quand même une belle dotation. Là, une fois, on a 200 euros pour une révision moteur. Vous avez un chèque de 200 euros pour faire par Navicom. Merci beaucoup. Une carte Platinum Plus Navionix. Le petit trophée, parce que c'est important. Ça, c'est une balise GPS qui est offerte par la société Acastillage Diffusion. C'est, voilà, faut y penser, mais c'est un petit outil bien pratique. Si tu tombes à l'eau, bah, en fait, elle est connectée directement sur toi. Mais c'est Loïc qui vient chercher, il paraît. Et pour la belle dotation, voilà les gars, cette injection Fastiness M, on couche un peu plus délicatement qu'aujourd'hui. Voilà. Et bravo à vous. À la première place, Ultimate Fishing 1. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Les deuxièmes finissent avec 6. Tu l'as dit, 500. Et là, Ultimate Fishing finit avec 616 points. Donc voilà, à vous. Donc en premier lieu, félicitations. Donc, alors là, la société Garmin vous offre une montre connectée et une carte Platinum Plus. La société Navicom vous offre un chèque de 400 euros
Alors, voilà, j'ai le plaisir de te faire découvrir le canapé que t'as peut-être pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Bon, super. Alors déjà on voudrait remercier l'organisation, tous les compétiteurs. On a passé un super week-end parce qu'on a fait plein de poissons. Les Dark Sleepers étaient au rendez-vous donc c'était chouette. Voilà. Et puis on va remercier aussi tous les gens qui sont ont participé. Donc on va le faire à notre manière. Donc ce cadeau là, ça va pour l'organisation. Ok. D'accord. Merci. Celui-ci merci. Pour les bénévoles. D'accord, bah, okay. C'est gentil. Vache. Il me semble avoir entendu qu'il y avait une jeune fille qui avait fait un poisson de 68 cm hier. Il me semble bien. Et la deuxième canne, on va la remettre au plus jeune compétiteur. Je ne sais pas qui c'était, je m'en moque. Le plus jeune, voilà. Ça va être entre les deux petits là. T'as quel âge, Jessie? 10. 10. Il y a 5. 11. Oh. Je peux vous monter, mais sur le podium. Je veux s'applaudir le seulement pour leur choix et pour la générosité. Et on va finir là-dessus, parce que toutes les compétitions que vous avez faites, vous avez toujours offert vos lots. Toujours. Et nous, en fait, on a tenu à vous remercier. C'est un ami à moi qui l'a pas. Super, ah, génial. Ça, c'est chouette. Il est beau, hein. Ça, c'est chouette. Merci, les poulets. Comme temps. Allez, c'est vraiment. Bravo à vous, les gars, c'est un beau podium. On fait une photo, on fait une photo avec eux. Je vous ai pêché, comment ça peut voir. C'est qui le nom? Parce que beaucoup de choses sont récompenses et maintenant on va récompenser le plus gros poisson. Bah tu dis 75. Le plus gros poisson il est là. Bah non, il est dans l'eau. La belle guirlande offerte par la société Fish. Romain. Romain. Non, c'est Timo, non, c'est Gabriel, il est devant moi. Qui c'est qui? Oui, reste un blondel, Romain. Oui, c'est bon. Ouais, Romain. Romain, c'est bon. Je suis là. Ouais, c'est pas comme si c'était au milieu d'un fécond, hein. Tout va bien. Je la tiens là, tu la coupes là. Heureusement qu'ils sont pas ensemble sur le même bateau, hein, parce que... Ah, de base, je la tenais. Moi, je la tiens encore. Grand poisson, enfin, sur les deux jours, 75 cm. Sébastien Blondel. Allez. Bravo. Voilà, je suis heureux de te remettre au nom de la société Fiche cet ensemble de l'heure. Bah, je pense que du coup, on a déjà quelques-uns. Et ben voilà, et ben comme ça, tu feras encore plus de gros fiches. On peut faire une photo? On fait une photo, ouais. Les gars? Ouais. Donc, on va aller faire une petite vidéo. Philippe, de récompenser du 15e au 40, 50e. En fait, il a décidé de récompenser ceux qui n'ont pas la chance de te commenter. Philippe, il a dit que tu fais comme une compétition. Donc, il offre un lot complet de vacants ultimate à. Non, c'est le oui, ça à deux personnes. Et j'ai vu une petite fille. Tu tiens un papier. Un seul. Et tu as chopé le seul papier tout blanc. Tu peux en prendre un autre. Vas-y. Je vais voir. Svens. Je t'en prie. Vas-y, tu retires un deuxième.
Il y a encore un papier blanc, merci. C'est une feinte, hein. Laurent, Laurent Duparc. Pour faire par le pêcheur normand. Merci Fifi. Philippe, tu peux pas le péter. Bon. Oui. Merci. Vous faites voilà, une photo. Ouais, allez. Ça va bien. Mets-toi au milieu. Hey, essaye de tirer tes parents s'ils sont dedans. Bah oui. Allez, tu chopes au hasard, tu mélanges bien. Le capitaine du bateau numéro 42. Le capitaine du bateau numéro 42. Capitaine. Oui, 42, oui. Eh ben, tu as remporté le Gold Star. Oui, vous êtes dormi là, les gars, en plus. Ouais, on adore. Eh ben, ils sont arrivés très tard, vendredi soir. Merci, merci bien. Tu vas coup de main pour descendre. Ouais. Bravo. Allez, viens. Donc, regardez ça, c'est... Regarde, on va laisser le directeur de l'entreprise présenter son boulot. Ouais. Donc c'est un Lilimpass 4 porte-cannes, avec un bac de rangement amovible. Donc, pas à l'époxy, pas en pousse-pied. Un grand merci à Inox du Bocage encore pour la très belle dotation. Kevin, photo non ? Voilà. Je vous remercie tous pour avoir participé à la tombola et les gens extérieurs parce que voilà, on le répète encore, c'est un beau geste, c'est pour la SNSM. Donc c'est un geste important qui nous tient à cœur et on le fera tous les ans. Et on va les accueillir et les remercier comme il se doit. Ouais, allez-y, hein, venez tous. Hein. Vraiment, c'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que faut pas oublier que ces gens-là, eh ben, ils risquent leur vie pour en sauver. Ça devient rare de nos joueurs. Loïc aussi. Ouais, donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse parce qu'un jour, on peut en avoir besoin d'eux. Et il faut les remercier. Et pour les remercier comme il se doit, la société Garmin a décidé de mettre en récompense un sondeur Ecomap UHD2 92 SV. Ah mon copain, c'est top du top. Allez, roulement de tambour. Alors, tu touilles bien et tu prends un petit papier. Touille bien, voilà. Merci. Guillaume Gilles. C'est un bénévole, c'est très bien. Et tu voulais des solides. Alors, prends avec mets-toi avec la solide. Voilà. Bon, ça va, il n'est pas bon. C'est pour le partage. Oui, on prend le carton. Donc, ça file. Nico, les oreillers, oui, forcément. Donc, on a récolté 1185 euros. Bravo. Bon, vraiment, merci pour eux. Parce qu'ils le méritent, vraiment. Ah oui. Vous voulez donner un garde mot? Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Tout cet argent-là, ça va nous servir, notamment pour faire le plein de la vedette. Pour venir vous voir, pas vous sauver, parce que vous n'avez pas besoin. Éventuellement, si vous avez besoin de nos services, n'oubliez pas de contacter votre assurance, parce que souvent, dans vos contrats d'assurance, le secours à la SNSM est pris en compte. Donc, relisez bien vos contrats, ça vous évite parfois de vous faire peur. Merci beaucoup, j'espère que vous avez pris plein de plaisir pendant ces deux jours. Merci à LH Fishing d'organiser cette manifestation sur le Havre qui amène une belle population et une belle manifestation au Havre. Merci à vous de venir.
dans la bonne humeur, a priori. Ouais, très bonne humeur. Et puis, à bientôt sur l'eau. Merci beaucoup. Et voilà messieurs, c'est clôturé en bonne humeur et avec un beau soleil normand qui a tenu. Pour le reste les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt, on va se revoir pour d'autres événements. Et pour le reste, n'oubliez pas, c'est que de la pêche, on est juste là pour prendre du plaisir. Moi j'ai passé un super moment avec vous, je vous dis à très bientôt les amis.